Non, Hank, vraiment, je peux pas me le voir. Je savais pas, j'étais dans la série. Il s'est mis tout seul dans la merde. Tous des grands acteurs. Personne ne lui a demandé de faire ça. Putain, j'ai l'impression d'entendre une ex là. T'es là, tu rentres, tu veux faire les choses bien, tu veux mettre les gens bien. Et au final, on te dit ouais, mais je t'ai jamais demandé de le faire en fait. Et toi, t'es là, vraiment, tu t'es coupé un bras pour la personne, tu vois. Et à la fin, tu te prends des ouais, mais en fait, je t'ai rien demandé, moi. Vraiment, on en est là. Hein. Putain. La scène de sa mort, j'étais en PLS, c'était horrible. Ah, c'est clair. C'est un dresseur ou pas? Bah attends, mais on est où là? C'est genre le mont Zebi là? Mec, faut que tu revoies Shameless. Bah moi, comme je t'ai dit, en fait, tu vois, Skins, j'ai vu la version UK. J'ai commencé à regarder la version US, j'ai trouvé ça horrible. Il y avait, comment ça s'appelait? Man on Mars, je crois. Une vieille série, pareil. Version UK, trop bien, je regarde la version US. Dégueulasse. Et Shameless, quand j'habitais en Écosse, je regardais vite fait, tu vois. Pas de ouf, tu vois, mais je regardais un petit peu. Et je trouvais ça ok. Bah, c'était juste une série où tu suivais des cassos, en fait. Et la version US, j'ai jamais regardé. Mais j'ai vu plein d'extraits sur TikTok. Et il y a des scènes qui m'ont fait bien rire. Regarde la version US. Apparemment, elle est au-dessus de la version. Oui, mais j'ai entendu la même chose. Hein. J'ai entendu qu'elle était au-dessus, oui. Je suis. Oui. Clairement. J'ai entendu la même chose, ouais. Bah, du coup, c'est quoi? C'est la ligue, là? Là, on a la ligue, en fait. Donc là, on est dans la dernière partie du let's play. C'est ça? Je crois, hein. Je crois que c'est la dernière partie du let's play, hein. Champion de Kanto? J'ai pas vu ce qu'il a dit. On est à la fin. Je savais même pas qu'il y avait une version UK. Bah moi, je savais même pas qu'il y avait une version US avant de tomber sur des TikTok il y a quelques mois, tu vois. Archiduc en sort. Duc de Boulogne. Mais ouais, il y a plein de séries comme ça où ils ont fait des versions UK-US. Enfin, qui sont des trucs UK et qui marchent tellement bien que derrière, ils en font des versions US. Mais vraiment, Skins... Oh. The Office, c'est pareil. Il y a version UK et US. Je savais même pas. 4, c'est le nombre de dresseurs que compte la plus célèbre organisation, le Conseil 4. Ensemble, ils forment la Ligue Pocket Monster. Il y a eu un épisode où les Michael Scott US UK se rencontrent d'ailleurs. Ah, ça, c'est un bon concept. Non, on va pas save. Bon, alors attends. On peut voir les. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Ça peut être quoi? Sol? Ou feu? C'est un volcan? Pierre? Pierre qui roule, n'amasse pas mousse, roche. Et plante. Donc, si on va. Attends, mais. Ah, putain. Il plante, j'ouvre le bal avec lui qui a une attaque feu. Je déchire tout le monde. Non? Je sais pas si j'ai assez de soins et tout. Bonne chance. Eh, bonne chance à la 7G, hein. Ah merde, c'est peut-être pas plante. Ah. C'est pas du tout plante, en fait.
peut-être pas du tout plante en fait. J'espère que j'ai rien au bide. Inch'Allah, ma soeur. Tu sais qu'il y a Kogo qui est dans le coin. Hein. Je crois qu'elle m'a mis sur la télé, elle fait sa vie. Putain, une golfeuse. Kylie. Kylie Jenner. Putain, des piaftons. Guerriègle. Faut pas lui crafter une selle. Allez. En vrai, faut switch, hein. Bah ouais, mais il va se faire ouvrir en deux. C'est ça le problème de ce Pokémon. Il va se faire ouvrir en deux. Ouais, mais parce qu'il est combat et vol, en fait. Pour votre... culture. C'est quoi? Le bureau. Ah, c'est la version FR, genre. Diffusée en 2006 sur Canal+. Filmée comme un documentaire, cette série raconte le... François Berléon. Ah ouais. La version française de The Office. Ok, bah, tu sais quoi, je le mets de côté. Après, moi, j'ai jamais regardé The Office, donc... J'aurais pas les refs et tout, hein. Je connais pas du tout moi en fait. J'ai jamais regardé. Non, Raichu. Tyrannosif, chute de pierre. Peut faire peur par contre. Ok, ça tank. Elle a parlé du vent, donc à mon avis c'est full Pokémon vol. Brutal libré. Lui il serait stylé s'il n'avait pas un net clown en fait. S'ils avaient laissé la couleur verte pour son tarin, c'était parfait. C'est la ligue là, ouais. Ouais, mais je pense que je suis pas prêt pour la ligue en fait. Je vais me faire ouvrir. Je sais pas. J'ai l'impression que ça va être un autre niveau de compréhension. Hein. Stream combien de temps? Je m'arrête pas, je suis en nuit blanche, mais je m'arrête pas. Je pense jusqu'à demain. Je fais un live 48 heures, je pense. Je m'arrête jusqu'à ce que la mort m'emporte, je pense. Il reste plus que ça, de toute façon. Chut. Noctali support. Non mais, ouais, mais ce que je disais, en fait, c'est la 7G, tu vois. Je pense pas que la ligue soit si dure. Pas très efficace, mais je pense que je le pète quand même. Putain! Je suis trop con! Pourquoi j'oublie tout le temps qu'eux aussi peuvent se guérir? Attends, après, si je peux l'apeurer. Flying process. Oh, c'est mon tour. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Ah, mais non. Obligé de... J'ai combien de rappel max? Attends, si je clique. Ouais, ça me dit le nombre. J'en ai 5. Je pense que c'est Tyrannosif, hein. De toute façon. Je pense qu'il faut all-in la game sur lui, hein. Sardine. Attends, et le dernier qui me reste, c'est Archiduc.
mais attends, il y a un plaf de fou à faire. Kaichu Psycho. Attends, en vrai, je vais faire des trempages. J'ai misé sur cette strat très tôt dans mon aventure en disant qu'à la ligue elle me servirait. Et tu vois, du coup, en fait, avec des trempages, je lui donne le type. Je lui donne le type haut. Et du coup, après, je le détruis avec, avec une attaque plante. Alors, malheureusement, il m'a infligé beaucoup de dégâts, mais. En vrai. Il y a un monde où cette strat, elle peut retourner une game, tu vois. C'est pas à toi encore. Les trempages. Est-ce que je le tank? Ah, rapace, ça fait mal, hein. Ça fait mal, mais je le tank. Des trempages, ok. Il prend le type haut. Derrière, je perds le banc. Et là, comme je vais canner... On va hyper potion chez Duke. Comme ça, je pense, le one-shot prochain tour. Surtout qu'il va perdre de la vie encore là-dessus. Là, il a le type haut, on rappelle. Je vais changer son type. Du coup, attaque plante. Je le one-shot. Pas. Il me fait danser, je suis sa pute. Allons-y. Allez. Ok, ça passe. Il en reste qu'un, non? Bazookan. Il en reste deux. Ah, le problème, c'est que là, il n'y a aucun effet. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tempo un tour. Ah, il va me one-shot. Bon, c'est pas grave. Tant mieux qu'il le fasse sur lui, au pire. C'est pas grave. En vrai, là, s'il pouvait me laisser en vie, que je réa Raichu... Ce serait game. Mais avec une attaque Z, très peu de chance. On est dans la 7G. C'est la mécanique de la gêne. Ok. On va tenter. On va tenter ça. Ça, ça me baisse ma def, non? Fait. Et là il lui reste qu'un. C'est qui? Okay. Let's go. Je savais que la stratégie du poisson elle allait payer tôt ou tard. Et merci. Merci pour les GG. Ok. En fait, je sais pas si je vais avoir assez de ressources parce que j'y suis allé un peu à l'arrache. D'habitude, je fais vraiment le plein. Et là, j'ai pas fait vraiment le plein. Et j'ai l'impression que je vais pas en avoir assez parce que je joue très mal.
Et j'ai beaucoup de Pokémon qui tombent à chaque combat. Donc en fait, je pense que je n'aurai jamais assez de... J'ai quand même des guérisons. En fait, il faut juste que j'évite qu'il tombe KO, quoi. Ça, ça peut être quoi, ça? Spectre. C'est violet, hein. Violet dans Pokémon. Ténèbres ou spectre? Bah, je vais mettre Noctali en premier. De toute façon, je vais pas save parce que je sais pas, j'ai l'impression que j'aurai jamais assez de. Je suis allé, ouais, je suis rentré dans la ligue sans vraiment chercher à me stuff, malheureusement. Donc, j'ai peur de pas avoir assez d'items. Je sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être ténèbres ou. Ou spectre, je sais pas. Ah, on dirait un Mimiki, la meuf. Putain, Banette, il est tellement fort. Noctali support. Je pense que je suis le seul mec qui joue sans item équipé. Tu sais, les trucs genre vive griffe, lunettes noires. Momartic. Momartic. Il est pas glace, lui. Regardez le Goku de Squeezie. Ouais, je l'ai regardé Day One. Et le dernier épisode, il m'a saoulé parce que quand il parle de sa structure e-sport avec Gotaga, il dit que... Bon, on va rester sur ça. Il parle pas... Il dit qu'ils sont là pour rendre mainstream l'e-sport, etc. Et il parle même pas de la K-Corp qu'il a déjà fait, en fait, qui a vraiment ouvert l'e-sport à beaucoup plus de monde et tout. Enfin, ils citent plein de structures françaises et genre, comme par hasard, ils citent pas la K-Corp. Tu vois bien qu'il y a quand même un froid entre Squeezie Gotaga et Kameto. D'ailleurs, hier, ils se sont affrontés sur League of Legends. La K-Corp qui était premier du championnat de France se sont fait démolir par l'équipe de Squeezie et Gotaga. C'était un no match, c'était ridicule. Mais bon. Ça reste que le championnat de France et la vraie équipe de l'équipe de Kameto et joue des championnats d'Europe. Donc on est quand même sur un autre projet, quoi. Ouais, je sais pas, ils sont pas vraiment froids, mais... Mais il y a quand même des petites... Pas des tensions, mais... Oh là là, notre amitié. Il y a quand même un truc bizarre, tu vois. Mais après, le docu, dans l'ensemble, il était très très bien. Au-delà de parler de Squeezie, en fait, ça parle vraiment de la génération génération YouTube 2013, tu vois, et c'est trop... Ça rappelle trop de souvenirs, en fait. Et il y a un moment donné dans ma vie où j'ai eu plus d'abonnés que Squeezie, et ça, c'est beau. Voilà. Au même moment, tu prenais Squeezie et moi, j'avais plus d'abonnés que lui, sur ma première chaîne YouTube. À l'époque où Sifano, tout ça... Voilà, bon... C'est une autre époque. Mais c'était marrant. Ça m'a fait marrer. Ah, mais le docu est bien. C'est un peu comme le docu d'Orelsan, quoi. Ça se regarde bien. C'est cool. Une époque qui existait quand même. C'est vrai. Gros drive. Gros drive.
sais pas comment on dit. On saura peut-être jamais. Hein. Sa pote Luciole. Non, elle, ça fait longtemps qu'il l'a dégagée. Hein. On sait pas pourquoi, mais ils sont en froid, les deux. Tant mieux, parce que je pouvais pas me l'avoir, vraiment. Enfin, tant mieux. Après, c'est pas comme si j'étais fan de Squeezie, je regardais toutes ses vidéos. Mais... J'aime bien de loin, tu vois. Mais elle, vraiment, je pouvais pas me l'avoir, cette Luciole-là. C'est dangereux, non? Sinistrel. Ouais. À partir du moment où il a évolué, lui, j'ai tout misé sur lui. Maintenant, je sais pas si ça va passer, mais... Vas-y, Ria, plus tard. Il y a un monde où je suis encore là en train de jouer à un autre jeu. Et certainement pas du Pokémon. Sinistrel, je sais pas... je sais pas quel... Il est que... Éboulement. Je sais pas comment le baiser, lui, en fait. Faut se faire. Faut pas qu'il me tue, en fait. Faut vraiment pas que je crame des rappels. C'est ça le plus important. J'ai déjà 2 KO. Archiduc. En fait, j'ai pas d'infos sur les affinités, si c'est efficace ou pas, et ça me rend fou. Parce que je les ai jamais affrontés de ma vie, ces mecs-là. Putain, ils switch. Mais là, c'est pareil, j'ai aucune info. Bon, attendez, je tente le all-in. Spectre, mais ça va faire aucun effet, non? Je vais tenter le move. Hein. Je vais tenter le move clutch. Je vais changer son type. Vu que je connais que les types de base. On va changer son type. Mur de fer. Ok. Ça fait quoi, ça? La défense augmente. Je change son type. Giga sensus. Cool. Ça prend quand même pas mal, mais ok. Je switch. Giga Sensor. Et là, lame feuille, en ayant changé son type. Putain, ouais, il a renforcé sa défense, malheureusement. Aïe, 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 l'attaque Z. L'attaque Z qui va me one-shot, qui va me faire cramer un rappel de plus. Putain, il faut vraiment... Voilà, ça va. Ok, ça me tue pas. Ça me tue pas. Il y a un monde où si je me heal maintenant... Il me finit pas. Ok. Ok, il me tue pas. Je suis pas impossible. Le tue, je suis plus rapide. Putain, la perceuse, mon frère. Il y a les travaux là à côté. On fout malade. Après, c'est détecté que quand je parle et je parle quand il ne perce pas. Mais... Ok, il renvoie le sinistrel. Je sais pas si je peux faire... Peut-être faire un truc avec Psycho. Je sais pas si Psycho, c'est efficace.
Ok. Ok. Putain, je pensais qu'il lui restait encore. Ok, bah je pense que je me suis pas trop mal démerdé sur ce combat au final. Bon, je suis pas encore au niveau des plus grands. Je connais toujours pas ma table de type, mais... on progresse. Vers les huîtres, mais on progresse. Ok. Donc là, on va cramer deux rappels. C'est peut-être là-dessus qu'on fera la diff. C'est peut-être sur cette game que la diff va se jouer. On a réussi à... Par contre, les potions... comment ça va être complicado, là. Ah ouais, mais j'en aurai jamais assez, mon frère. Wesh, les coups de marteau, mon frère, calme-toi. Ça va être compliqué, non? Ça va être compliqué, cette affaire. Parce qu'il m'en reste deux, mais après... je crois que j'affronte le prof, non? Ici, ça va être quoi? Sol? Roche? Vas-y, je vais... Je vais all-in pour Sardine. J'y crois. Putain, j'ai fait le con. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'ai fait le con à pas acheter plus de potions, en fait. Ouais, je sais pas pourquoi... Pourquoi je m'impose des difficultés pareilles? Je save. Parce que au pire, on fera une manip. Ok. Alixia. Bon. Armaldo. Armaldo, 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 c'est quoi ça? C'est un fossile. Je sais pas, un gros cul. Insecte. Oh, c'est pas tellement cher. Ok, très bien, très très bien, très très bien. Facilis. Que c'est laid tout ça. On est vraiment passé de Kabuto Ptera à ça. Et les gens trouvent ça normal. Aïe. Piège de rock. Ok, ça joue les Worlds. C'est quoi? On comprend pas là. Vas-y, je vais tenter ça. Je vais tenter ça. Faut que je tente de le one shot là-dessus. J'ai pas l'avantage du type, mais je vais all-in. Ok, ça passe. Gigalith.
C'est bien ça. C'est bien. Conquête de Seb. Hydroqueue. Rapide. Ça le tue pas. Petite sol. Il me tue pas. Est-ce qu'il m'enlève mes poissons? Il m'enlève pas mes poissons. Il tape avant! Non! Il me crit! Mais va te faire foutre, putain! Je vais mourir, putain! Il va me tuer, moi aussi! C'est pas possible! Putain! C'est trop grave! Puis l'autre avec son marteau piqueur là, façon. Sa perceuse, Lugaroc. C'est dur ça. Dur, ça va être dur. Tellement stylé. Ok, je tape avant. Ça c'est très bien du coup. Ça le tue pas. Mâchouille, ça me tue pas. Je tape avant. Ok. Je crois qu'il meurt. Tar énorme. J'ai rien. Faut que j'envoie un Octalie. Faut que j'envoie un Octalie et que je le heal lui. En fait, je veux pas cramer un rappel vu le peu que j'ai en stock. Que c'est moche ça. Non, pitié. Oh là là, il va me faire une attaque Z en plus. Ok. De toute façon, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Ok, il me para. Synchro, magnifique, magnifique! Atroce! Est-ce que morsure ça lui fait un truc ou pas? Waouh, la connasse! Ça fait rien. Le Garnor, c'est quoi déjà? Lanceur pétrifie l'ennemi. Ça sert à rien. Son. Et le spam. Je fais le spam juste pour gagner du temps. Je sais pas par rapport à quoi, mais essayer de gagner du temps. En tous les cas, lui, il faudra le heal, donc... Si on peut le nerf. Trois regards touchants. Ah, c'est pas passé. Je sais pas ce qu'on fait, mais on le fait, hein. Faut que je switch. Il va prendre les pics. Crayon gemme. Ok. Clair. Ah. Écrite-le, putain. Je pense pas que je canne là-dessus. Oh, la connasse. Connasse que tu es.
Je pense pas mourir. Hein. Pas de crit. Ok. Pas de crit. Tue-le. Let's go, baby. C'est ça, mon frère. Ça, mon frère. Wesh, la perceuse là, c'est trop grave là ce qui se passe. C'est vraiment à côté de moi. Hein. C'est irréel les bruits. Même avec le casque, la musique et tout, j'ai l'impression que le mec est... Et merci. Air potion. Sardine. Ça va être compliqué hein, en termes de ressources là. Je vais pas heal l'autre. Oh, les coups de marteau. S'il te plaît. Oh, ça fait 4 ans, ils font des travaux. J'en peux plus. Ouais. J'en ai fait 3, mais. En fait, je pense que, comme dans tous, il y en a 5. Hein. Je veux juste save, mon pote. Laisse-moi save. Ah, les coups de marteau, c'est trop, là. J'ai envie de mourir. C'est quoi, ça? Une lune. Une lune d'acier. Putain, j'ai pas changé de... Ça me rend fou les coups de marteau. Alors que j'ai le casque avec la musique à fond. Qu'est-ce que ça peut être? Acier? Acier? Non, ça va pas être acier. Carrier avec Tyrannosif. Hein. Je pense que c'est le mieux. Je sais pas. On va essayer. Il y a des lunettes grises. Hein. C'est l'acier, tout ça. Hein. Plus l'acier. Hein. Oh, électrique, peut-être! Molène! Ah, c'est lui, Molène! Eh, j'ai pas rêvé quand il disait Molène tout à l'heure. Trousselin. Ok, c'est acier. J'ai pas rêvé, j'étais fou. Molène. Ok. Par contre, j'ai pas remis les pépés. Je suis trop con dans ma vie. Là, par contre, je sais pas ce qui est efficace en vrai. Acier. Attendez, là, c'est important parce que j'ai plus trop de potions et tout. Je regarde ma table des types. Table. Type. Pokémon. Moi, j'ai jamais fait ça. Si, j'ai peut-être fait ça dans le jaune. Je sais plus. Acier. Après, mon problème, c'est que je n'arrive pas à lire la table des types, en fait. C'est ça aussi. Ça. Pourquoi je ne travaille pas ma table des types? Parce que je ne sais pas la lire, en fait. Type défensif. Donc là, c'est acier. Et type offensif. Ok. Donc l'acier prend x2 avec le combat, le feu et le sol. Donc je dois faire des attaques sol. Genre séisme. Mais j'espère qu'il n'a pas lévitation. Ok. Donc on a dit feu, combat j'ai pas, feu sol. Sol, mais il a peut-être lévitation. Putain, je suis tellement fort mec. Protection.
Putain, mais ça fait tellement pas de dégâts. Pico. Pico Pierrot, hein, le Shiny Hunter, je connais. Il a chassé un Cresselia pendant 58 000 rencontres. Je connais, ouais. J'ai obligé de faire ça au cas où, voilà. Je savais. Je connais mon Pokémon. Je connais mon karaté, les mecs. Je savais qu'il allait faire ça. Il est juste là pour me faire gaspiller des PP. Bon, après, s'il veut juste m'envoyer des shurikens, des kunai... ok, Tenten, hein. Franchement... je peux pas crit dans ma vie, non, ça existe pas. Lumino canon. Non mais je rigolais, c'est bon, calme-toi. Je te mets au fond de ma poche, c'est terminé. Hein. Un trousseau de clés, hein. Calme-toi quand même. Métallos. Dur, ça. Hein. Oh. Ah, le Métallos de Pierre Rochard. Qui s'en fout? Moi. Oh, Métallos. On va tenter le feu, mais... Ah, oh, il me crie. C'était même... Ah, faut que je garde mon combo pour la fin. Morsure, est-ce que ça fait un truc? Ok, la vive griffe. Ouais, ouais, la vive griffe. Ouais, la strat. Ouais, mon pote. Scalproie. Est-ce que je peux pas le baiser avec une attaque vol, Scalproie? Il est insecte acier. Et là, j'ai plus de balles contre l'acier. Je crois qu'il est insecte. Hein. Je crois. Hein. On va vite voir. Hein. Ok, il est pas insecte. Je pensais qu'il était insecte acier. Bah non, en fait. Strat, hein, mais bon, j'ai perdu un tour, quoi. J'ai perdu un tour. Putain, mais j'étais persuadé qu'il... Ou alors, il est vraiment insecte, mais... Ça va être dur là. Ok. Ah,
trio piqueur d'Alola, du coup. Trio piqueur d'Alola. Ok, sol acier. Ok, pas mal, j'en attendais pas autant. Séisme. Tente-le un peu, s'il te plaît, t'es un Noctalis support. Ok, ça va. On attendait à pire. Allez, crit, s'il te plaît. C'est maintenant. Bien joué. Magnézone. Magnézone. Wow. Là. Donc ça tueur, hein. Ça tueur. Ce Satur, hein. On va le sacrifier. On va rappeler Max. J'en ai 5. Ça se tente. Je pense au Satur, hein. Après, le truc, c'est qu'il est niveau 58. Il est 56. J'ai Tyranocif qui est 62. Il est pas sol, mais j'ai une attaque sol. Il peut peut-être tanker une attaque. C'est peut-être un meilleur move de Réa Tyranocif. Attendez, je réfléchis à haute voix, les gars, mais je suis très mauvais en strat. Parce que je me dis, ok, lui, il est sol. Mais ses attaques sol, elles font pas si mal. Lui, il est pas sol, mais il a une attaque sol qui fait mal. Et c'est Tyranocif, je pense qu'il a quand même... Ouais, il a quand même 60 points de vie de plus. Et il doit avoir de meilleures stats en défense. Je vais tenter de réa Tyranocif. Bonne chance. C'est un pari. C'est peut-être pas le move que les professionnels auraient fait. Mais c'est le move que j'ai choisi. Il me reste des séismes, hein. Fermeté. Ok, ok, ok. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, il te one-shot pas. Il te one-shotera jamais de la vie. Il peut pas. Voilà, baisse ma défense, petite salope. Ma chouille. Guérison. Zabi. Je pensais pas qu'il en avait d'autres. Je tape en first, il va avoir fermeté encore. Ça marche à chaque fois, cette merde, non? Ah non, ça marche qu'une fois. Ok, on a battu Molen. On a battu Molenbeek, les gars. Ok. Bon, je pense qu'on s'en sort bien en termes d'items. On sort bien en termes d'items. Après, c'est la 7G, je me dis, imagine, on heal après. Attends. Je me dis, c'est la 7G, hein. Il y a peut-être un heal. Hein. GG, c'est bientôt fini. Le calvaire. Alors, est-ce que c'est le prof à la fin qu'on affronte ? C'est l'autre con de...
de Tilly. Mais je crois que Tilly, c'est plus tard, non? C'est quand on revient au village, je crois. Créer le post-game, oui, bah oui. Quand le siège, là, il est stylé. Ah ouais, en mode 1G, quoi. Tu crois que t'es champion, et en fait, non, quelqu'un est arrivé avant toi. Red, Blue, les méchants des anciennes gènes. Oui, oui, bah oui. Attendez, parce que là, je me suis pas heal, en fait. Là, ils vont demander avant de commencer. Ah, on l'affronte pas. Putain, je pensais qu'on l'affrontait au village. Bah non, c'est Red et Blue qu'on affronte au village, alors. Par contre, je me suis pas heal, mon pote. Oh, la musique. Ah, mais je me suis pas heal, en fait. Dans le jeu de base, c'est Euphorb, le champion. Ah, ok. Ah, mais je me suis pas heal. Bon, j'ai save juste avant. Ouais, c'est comme As, hein, l'équipe. Si ça marche pas, reload. Ah, je crois qu'on a pas le même Raichu déjà. Ouais, non, mais ils sont tous morts, quoi. Ah, mais j'avais pas vu. J'avais vu que j'en avais 4, mais je pensais que les 4 étaient full vie, mais non. Bon. Je reload la save. Ah, la 3DS qui charge. Ah, ouais. 22h48. Bon. Mais attends, mais son Raichu, par contre, il m'a déchiré le cul, là. Comment ça, il m'a déchiré autant? Du coup, je mets qui? Je mets... Putain, mais il va pas faire long feu, lui. Je vais mettre Ossature, mais en fait, je connais pas son équipe. J'ai dû l'affronter une fois dans tout le jeu. Ah, s'il te plaît, laisse-moi save. On peut skip ou pas? Pas, c'est Pokémon, faut suivre l'histoire. Non, après t'es perdu, c'est tellement important. Ok, en tout cas, ils ont fait une feinte du coup par rapport au fait que Forb était le champion dans le jeu de base. Pas mal. Pour les pigeons qui ont acheté les deux jeux. Comme moi. Tout le monde. Mais il va m'ouvrir. Il va m'ouvrir en 4 là. 59. Et le mec, c'est raide en fait. J'attaquerai jamais en premier là. Ok, il joue Strat. Ah ouais, il m'a baisé. Ah, tu m'as bien baisé, hein. Ah, tu m'as bien baisé, hein. Comment la musique, elle peut si bien commencer et si mal enchaîner, genre. C'est quand même fou, ça.
Pourquoi il est plus rapide? C'est une putain de chauve-souris de merde. Putain, les Pokémon électriques, ça devrait être les plus rapides. Je suis désolé. Ah, ça me rend fou, ça. Putain, comment les Pokémon électriques, ça peut pas être les plus rapides du jeu? Putain. Tu connais la vitesse de transmission de l'électricité, toi? Je pense que ça va plus vite qu'une chauve-souris, hein. Trou de balle. J'ai même pas truc mes pépés, vas-y. Tiens, dans ta mère, fils de pute. Putain, il meurt même pas. Allez, chien. Le sable dans les yeux. Terminé. Va te laver les yeux. Raichu. Dans ta mère, toi aussi. Putain de rat de merde. On est bien. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Lame de roc. Oh, le roi. Le roi du monde. Vengeance. À la place de dégommage, parce que dégommage, ça pue sa mère. C'est la fête au village, Taurus. Quand on sait pas, séisme. Je pense pas que ça lui fasse tant de dégâts que ça, mais... Allons-y. Ah ouais, on est la team séisme. Ok, on meurt pas là-dessus. Bien sûr, je prends plus de dégâts que lui, il en prend sur ce move. Ça n'a aucun putain de sens. On aurait quoi d'efficace? On n'a rien qui est très efficace. Mais... Noctali, faut que je le garde plus tard. Est-ce qu'on fait la strat maintenant? Ah, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je vais le heal. Je vais le heal. J'ai pas trop de solutions là en fait face à lui. Vaut mieux que je garde un mec qui tank. J'ai pas vraiment de solution. Ouais, c'est Séisme qui va faire plus de dégâts je pense. Oh, quoique lame de roc, mais faut que ça passe. Faut que ça passe, lame de roc 80. Oh là 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 là, s'il te plaît. Ok, ça passe. Et ça le tue. Ça, c'est un clutch. C'est ce qu'on appelle un clutch. Tu sors pas ton Pokémon, tu le heal. Derrière, tu restes à 4 PV et t'arrives à le finir. Clutch. Oratoria. Problème, c'est que je crois que j'ai plus de... Ouais, j'ai plus de lame feuille en fait. Je vais devoir tempo avec Noctali, je pense. Je vais devoir tempo avec Noctali pour remettre des PP sur l'âme feuille. Malheureusement, j'ai fait le con. J'ai pas remis de PP.
et Raichu est mort. Donc là, ce qui serait bien, c'est qu'il puisse tanker. Ouais, Shiorizura, ça va ou quoi? Là, ce qui serait bien, c'est qu'il puisse tanker. Pour qu'on remette un peu d'huile. Pour remettre un peu d'huile sur... sur l'âme feuille. Ça va, tranquille, tranquille. Hein. Sous nuit blanche. J'ai enregistré 4 épisodes, je crois. J'ai farmé entre 5h du mat et 11h de lancer le stream. Et puis, on est là. J'ai lancé à 11h. En vrai, je peux potion max tyrannosif. Motiver le mec. Oh, même pas. Hein. Juste pas sommeil, donc on rentabilise la nuit blanche, quoi. Ok. Un archiduc, du coup. J'espère qu'il va tanker un petit peu. L'âme feuille. Oh, oh, le roi du monde. Les rois du monde. Pyroli. Il est quand même en 3D. Pour une fois, je vais pas trop critiquer. Tu vois. Hydrocule. Ah, j'aurais peut-être plus capacité spéciale, capacité Z. Histoire d'être sûr de le one shot, mais. J'ai confiance en toi. Bien joué. J'avais. Toujours eu raison de croire en toi, Froussardine. Froussardine. Crabominable! Putain, c'est Sid. Sid avait raison, depuis le début. Crabominable. Ah, j'ai une strat de zinzin, là. Il est quel type? Ouais. Après ça, je streamerai plus de Pokémon. Mais sur YouTube, il y aura encore plein de rediffs. Pour 6 mois. C'est quel type crabominable? C'est quoi, combat? J'ai besoin d'une info là. C'est quoi son type exact? Double type. Combat glace. Ok. Détrempage. Et non, il est type O, vous avez tort. Ah, les noobs. Ah, ils connaissent pas Pokémon. Ça joue strat. Mec, j'ai investi sur cette strat en early, en me disant pour le late game, ça paiera forcément. Eh ben, c'est en train de me carry tout mon late game. C'est en train de me carry la ligue, mec. Let's go! Je suis maître pour la 11e fois consécutive. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Ah, le bout du tunnel. La fin du calvaire. Oh putain, on l'a fait, les mecs. Le marathon Pokémon. N'est pas fini, puisqu'il reste encore... Il reste à débarquer sur la Switch. Mais on se comprend, entre nous, on se comprend. Entre gens du direct, on se comprend. Mais entre gens de YouTube, on se comprend pas. Putain! Et quel tunnel. Non mais franchement, j'ai kiffé cette strat, hein. Je connaissais pas, tu vois. Et quand il l'a appris, je me suis dit ça va me servir plus tard. À la fin du jeu, quand je vais galérer sur les
les types et tout. Du coup, je suis trop content que ça... d'avoir parié sur un truc qui a fonctionné, quoi. Félicitations au tout premier maître d'Alola. Osatcher. Raichu, pour la première fois. Troussard Zen. Ben c'est ça, Yori, en fait. C'est exactement ça. Hein. Tyrannosif, sur qui on a beaucoup misé aussi. Là, vraiment, sur la fin du jeu, j'ai totalement arrêté de spam avec Archiduc. Et la strat, c'était spam avec Tyrannosif. Et quand ça galérait, Froussardine, type O, Archiduc, attaque plante. Voilà. Et Noctali pour tempo, très important Noctali. En vrai, ouais, il y a juste Raichu et Ossature qui étaient juste situationnels. Et Noctali servait à tempo. Donc, très très cool. Là, content de l'avoir fait parce que c'était vraiment une épreuve. J'ai vraiment cru que je ne terminerais pas le jeu. J'y ai pensé plusieurs fois à l'abandonner. Mais je sais que c'est quelque chose que j'aurais regretté plus tard de ne pas l'avoir fini, ce let's play. Donc, content de l'avoir fini. Bon, on n'ira pas affronter Red et Blue. Malheureusement, puisque Red, je le rappelle, est mort au sommet du Mont Argenté. Soit il est mort avant notre rencontre et on a affronté un fantôme, puisqu'il disparaît à la fin du combat. Soit... il a enfin trouvé un rival à sa hauteur capable de le battre et il s'est jeté dans le vide. Ou soit, voilà, il est mort avant et enfin il a réussi à combattre quelqu'un à son niveau et donc son âme s'est envolée en paix, tu vois, on sait pas trop. On sait pas trop. Go FF1. Ah, FF1, je vais me ridiculiser, je crois. C'est ça le problème. Masuda, Masuda qui visite la France et qui fait des œufs, ouais, continue à faire des bons jeux. On te soutient, Masuda. On te soutient. On te soutient, Masuda. On te soutient. Ouais. 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 Continue, Masuda. On te soutient tellement. Depuis que t'es à la tête du dev, c'est trop bien, la vie. C'est génial. Soutiens, mais vive Palworld. Palworld, est-ce que c'est pas la prochaine vidéo du coup? Après ce let's play, je crois. Ben, je crois que pour les gens qui regardent la rediff, demain vous aurez Palworld. 3 épisodes découvertes. Ouais. Je crois. Si je dis pas de bêtises. Ah non, j'ai de la merde. Palworld, c'est plus tard. Il y a League of Legends Manager. C'est rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Mais je ferais peut-être mieux d'inverser les deux et de mettre Palworld, mais bon. Si je cherchais à faire des... à faire 2-3 chiffres, ce que j'aurais fait. On s'en fout. On s'en fout selon les stats YouTube qui m'ont envoyé récap du mois. Je savais pas qu'ils faisaient ça, mais ils font ça. Au mois de janvier, 11 nouveaux abonnés, 1603 vues, 3822 minutes de visionnage. Et ça, c'est quand même pas mal pour moi. Voilà. Satoshi qui grille ses royalties du jeu chez le gros Satoshi. Putain, le gros Satoshi. Puis il a ouvert une ligne de vêtements pour les jeunes préadolescents. Oh putain, c'est fake news quand même. C'est terrible. Ouais, 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 ouais. Scénario Toshinobu. T'en avais des choses à dire, mon coquin. Putain. Ok, là, on te montre que dans des grottes, etc. Ok, ok. Non.
Franchement, le jeu, voilà. Si je devais dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, honnêtement, ce jeu, pour conclure sur ce let's play, ce jeu a beaucoup trop de points positifs quand t'aimes Pokémon. Le jeu est beau pour la 3DS. Il est très coloré. L'ambiance est trop bien dans les îles. Petite maison sur pilotis en bord de mer et tout. J'aime trop. Ils sont grave généreux en Pokémon. Il y a beaucoup de Pokémon. Le jeu, il est généreux en termes de contenu. Tu crois que c'est fini, c'est jamais fini. Tu réaffrontes tous les champions d'arène, entre guillemets, même si c'est pas des arènes, t'as capté. À la fin du jeu, pour récupérer les plumes. Le jeu est grave généreux en termes de contenu. Il y a un post-game de fou derrière. Avec plein de légendaires. Avec Red, Blue. Plein de trucs à faire en post-game. Le jeu est ultra généreux. Ils ont tenté beaucoup de nouvelles choses sur cet opus. Et je ne saurais vous citer un point négatif. Tu vois. Honnêtement, je ne saurais pas vous citer un point négatif. Mais je n'aime pas le jeu. En fait, on se retrouve comme à la fin de mon let's play de Saphir Alpha. Où je ne lui citais que des qualités. Et à peu près les mêmes. Hein, généreux, la région était agréable à visiter, etc. etc. Mais malgré toutes ces qualités, les musiques et tout, trop cool. Ken Sugimori, design art. Le boss. Malgré toutes ces qualités, j'aime pas le jeu parce que c'est pas mon Pokémon en fait. Je m'y retrouve pas en fait. Je m'y retrouve pas. Je pense que c'est un bon jeu, mais c'est pas cette vision-là de Pokémon que j'attends en fait. Mais c'est un bon jeu, c'est vraiment un bon jeu. D'Antichris. Il cherchait un défaut, ok. Non, mais ouais, il y a les ultra chimères. Déjà, c'est dégueulasse, tu vois. Mais par exemple, les tokos, avec le temps, j'ai appris à les apprécier. Mais ouais, les ultra chimères, c'est dégueulasse. Tu n'es pas le public. Non, ouais, c'est ça, je suis pas le public. Je suis pas le public. Et de toute façon, comme je disais, quand on aura terminé les jeux sortis, donc c'est pas pour tout de suite, il y aura une tier list Pokémon qui sera faite et qui sera gravée dans le marbre, gravée dans la roche, comme disait Sniper. Et cette tier list, en fait, on intégrera à la fin de chaque let's play de nouveaux jeux Pokémon qui sortiront. Ça se passera après la 9G, pour vous dire. À chaque fois qu'il y aura une nouvelle génération qui sort ou un nouveau remake, on reprendra cette tier list qu'on a fait après la 9G. On fera après la 9G. On ne l'a pas faite encore. Et on ne la touchera pas. Hein. Ça sera gravé dans le marbre. Mais à chaque fois qu'un nouveau jeu Pokémon sortira, il faudra intégrer ce jeu-là à la tier list de jeux qui, eux, ne pourront pas bouger. Donc, il faudra vraiment être sûr de ce qu'on fait. Et à chaque fois qu'un jeu sortira, je reprendrai cette tier list et on ajoutera le jeu. Mais voilà, impossible de bouger les anciens. Même le toko avec l'anneau dans le pif. Bah, je sais plus à quoi il ressemble, mais on a vu que lui, que le orange, je crois, dans le jeu. Et le orange, je le trouve cool. Mais ouais, Yori, t'as mis vraiment le doigt sur le truc. C'est vraiment, je suis pas la cible, en fait. Je suis pas le public de ce jeu. Mais ce jeu a beaucoup de qualité. Hein. Honnêtement, en vrai, je pense, tu mettais ce jeu dans les mains d'un enfant de 8, de 10 ans qui connaissait pas Pokémon. Tu vois, ça me rappelle les gamins qui disaient « Ouais, j'ai commencé avec Soleil et Lune, c'est mon préféré. » En vrai, avec le recul, je comprends. Je comprends parce que le jeu, il a tout pour plaire à un gamin, en fait. Le jeu, il est ultra complet. Mais c'est pas mon Pokémon. C'est pas ça que je veux de Pokémon, en fait. Donc, ouais. Tier list des jeux Pokémon qui arrivera et qu'on mettra à jour régulièrement
sans avoir la possibilité de toucher les anciens jeux dans cette tier list, donc faudra pas se tromper. Et je peux vous assurer que la 3G ne sera pas dernière. Et je pense pas que ce jeu sera dernier non plus, même si j'ai pas aimé le faire. Parce que... parce qu'un peu à l'instar, vraiment, je le compare trop à Saphir Alpha, mais c'est ça en fait. Pour moi, c'est la même chose. C'est le jeu, j'ai pas aimé le faire. Mais en vrai, si tu prends point par point, le jeu, il a trop de qualité. Saphir Alpha, il a beaucoup de qualité. Il a énormément de qualité. Mais le jeu, je l'aime pas. Et à chaque fois, je disais, ouais, je l'aime pas parce que le matériau de base, c'est du caca. Et tu peux pas faire une œuvre d'art ou un gâteau sur du caca, en fait. Tu peux pas mettre de la chantilly sur du caca et dire, tiens, c'est un gâteau. Tu peux pas. C'est ce que je disais quand j'ai terminé mon let's play à l'époque. Et c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. Par contre, enchaîner... Putain, ouais, quand même. Enchaîner Remake 3G et 7G... En fait, là, tu fais un combo 6G, Remake 3G, 7G. Oh lo 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 lo. Oh, ça fait mal au cul, les sorties des jeux. Hein. Oh, mon Dieu. Heureusement qu'à l'époque, j'ai fait la 6G, je l'ai kiffé. La 3G, je l'ai pas faite, le remake. Et la 7G, ben, je l'ai pas fait Soleil et Lune. Hein. J'ai rage quit comme le Remake 3G, j'ai rage quit au bout d'une heure. Hein. Et j'ai fait Ultra Soleil, Ultra Lune en pilote automatique, comme je disais quand j'enregistrais en off tout à l'heure. En jouant à Football Manager, je spammais A et je faisais mes combats avec Fait l'Inferno 20 niveaux d'avance, tu vois. Et les nouveaux Pokémon sont très cool, à part les Ultra Chimères aussi, je tiens à le dire quand même. Les nouveaux Pokémon. Genre, je crois, Lucanon, c'est cette gen. Lucanon, exceptionnel. Franchement, les nouveaux Pokémon sont cool. C'est vraiment les Ultra Chimères, quoi. Après, on n'a pas trop vu, à part dans une cutscene, vers la fin. Enfin, vers la fin. Vers le début de la fin, ou la fin du début, on sait pas trop. Mais, ouais. Je trouve ce jeu, ouais, c'est... Il est un peu comparable au Remake 3G. Et vraiment, l'enchaînement 6G, Remake 3G... Et 7G... 7G deux fois en plus. Honnêtement, ça fait... Pourtant, je l'ai pas mal vécu à l'époque parce que... Si, la 7G, quand même, je l'avais mal vécu. Le Remake 3G, en fait, je me disais, ah, cool, je l'ai jamais fait à l'époque, j'ai pu pouvoir le faire. Et en fait, quand j'y ai joué, j'ai trouvé ça nul. Et du coup, ouais, c'est vrai que oui, j'ai placé quand même pas mal d'espoir dans la 7G. Ouais. Parce que je me rappelle même, il y avait eu un Nintendo Direct que Sid, il avait débriefé sur YouTube, sur Twitch, avec Arnaud, je crois. Mais alors là, on parle de... Avant même qu'il parte au Canada, genre vraiment, on parle de... C'est 2010... Ça, c'est 2018, je pense. 2017. Les Ultra, je sais plus. Et où je me rappelle, je disais, ouais... Mais le jeu, il va être trop bien et tout. J'étais trop optimiste, je me rappelle de ce live. Ouais, le jeu, il va être trop bien. Peut-être qu'il sera sur la NX et tout. Parce que les cutscenes, elles sont trop belles. J'étais totalement délusionnel, comme ils disent les Américains. En fait. J'étais totalement aveuglé par mon fanboyisme. Un peu comme aujourd'hui, mais non, tout ça pour dire que oui, j'avais de l'espoir sur ce jeu, en fait. Et non. C'est un raté. C'est un raté, mais un raté qui a beaucoup de qualité. Et le générique ne se termine jamais. Hein. J'essaie de combler, là, de meubler. Meubler. Ouais, meubler. Ça ne finira jamais. Donc, voilà, quoi.
Tout ça pour dire qu'il est 14h quand on est sous nuit blanche. Et qu'on va enchaîner peut-être avec autre chose. Mais ça... Et ça, c'est après. Bon, en vrai, je vais cut la VOD ici. Hein. Ça sert à rien de rester pour... En fait, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une petite scène post-générique Je sais pas. Ah, vas-y, on va attendre, on va attendre. On va attendre. Je sais pas à quoi on va jouer après. Mais sachez que j'ai téléchargé... énormément de jeux. Je crois que j'ai 720 jeux sur HomeStation, pour vous dire. Ah, il y a une scène post-générique, je savais. C'est Marvel, ce jeu. C'est le Marvelers. Pokémon Ultra Soleil. C'est bien. C'est quand même pas mal, les mecs. C'est quand même pas mal, les mecs. Atroce. Sauvegarder. Je vais aller save derrière, tu connais. Pas me ramener à l'écran titre. Enfin, putain, on l'a fait. On l'a fait, les mecs. On l'a fait, les mecs. Heures. J'ai l'impression d'avoir joué 45 heures. C'est assez affreux. Allez, on save. Bref, je cut la VOD ici. Des bisous YouTube. Prochain let's play sur Pokémon, ce sera Pokémon Let's Go sur Switch. Je vous fais des bisous et à très vite pour la suite du marathon. Ciao, ciao.